Bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste quelques mots de présentation très brève de Laurent Gagnebain qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir dans notre cycle de conférences théologie pour toutes et tous. Laurent Gagnebain, bien que d'origine suisse, puisqu'il a fait sa théologie à Lausanne, a été pasteur de l'Église réformée de France pendant plus de 15 ans. Et puis après, professeur de théologie pratique à l'Institut protestant de théologie de Paris. Voilà. Il a également dirigé l'hebdomadaire protestant Réforme, et puis il a été directeur de rédaction d'Évangile et Liberté. Aujourd'hui, il occupe encore sa retraite, et entre autres en acceptant d'animer cette soirée. Et donc, il va nous présenter Bultmann. Alors ça fait partie de ces géants hein, de la théologie du début du XXe siècle qui peuvent faire un peu peur et on espère que ben voilà, il va nous enlever un peu de cette peur. Voilà, Laurent, j'en dis pas davantage. Merci encore d'être avec nous et la parole est à toi. Très heureux d'être avec vous et je vous remercie chacune et chacun d'avoir consacré du temps à cette écoute et à cette rencontre. Alors, Rudolf Bultmann est né en 1884. On vous a dit dans ce remarquable exposé de Frédéric Chavel récemment que Karl Barth était né en 1886. Et vous voyez, Paul Tillich, dont il sera question dans un autre exposé plus tard, lui est né aussi en 1886. Ce sont des géants de la théologie, mais tout à fait contemporains. Bultmann est fils de pasteur, mais je précise, luthérien. C'est très important de le savoir parce qu'on peut dire qu'il a compris le sola gratia, hein, le sola fide de Luther de manière radicale et en conduisant ce sola fide dans ses ultimes retranchements. On peut difficilement être plus luthérien que l'était Bultmann. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre d'un théologien allemand qui s'appelle Ebeling. Je vais montrer ce livre, je ne sais pas si on le voit. Oui, très bien. Ebeling. C'est un théologien allemand né en 1912 à Berlin qui a consacré un livre à Luther qui est publié chez Labor et Fides en 1983, mais le livre date, lui, de 1964. Et en le lisant, cet ouvrage, j'ai eu l'impression que je lisais non pas un ouvrage sur Luther, mais un ouvrage sur Bultmann. C'est vous dire la proximité qu'il y a entre ces deux figures théologiques. Bultmann, son nom est associé à la ville de Marbourg en Allemagne. C'est une ville universitaire, une petite ville où l'université et la faculté de théologie occupent une très grande place. Comme le nom de Karl Barth est inséparable de la ville de Bâle en Suisse, le nom de Bultmann est inséparable de la ville de Marbourg. Il y a été enseignant après l'avoir été dans d'autres facultés de 1921 à 1951, donc pendant 30 ans. Et il est mort à Marbourg en 1976. Je me rappelle avoir été avec quelques amis regarder la maison où habitait Bultmann. Dans mes études, j'ai fait un semestre à Göttingen, qui était un des centres avec Otto Weber de la pensée de Karl Barth, puis plus tard dans la ville de Heidelberg, tout près de celle de Marbourg, qui était alors un des centres de la pensée de Bultmann. Je ne dirai rien d'autre en fait sur sa vie, comme l'écrit André Malet. André Malet, que je vais citer, est le meilleur spécialiste en France, c'est un philosophe protestant de la pensée de Rudolf Bultmann. Il a publié une thèse, je vais vous montrer son titre, qui a été réédité à plusieurs reprises. Vous voyez, La pensée
de Rudolf Bultmann. Et ce livre s'appelait Mythos et Logos. Mytho, logie, mythos et logos. Et André Mallet a écrit, c'est son œuvre, donc celle de Bultmann, qui est son plus beau titre de gloire et sa résistance au nazisme dès 1933. Je cite cela parce que Bultmann a eu des adversaires implacables qui ont prétendu qu'il n'avait pas été résistant, qu'il n'avait pas participé à cette lutte contre le nazisme. Vous savez, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on prétend qu'il a la rage. Alors, les ennemis de Bultmann, il faut faire très attention pour savoir s'ils connaissent vraiment sa pensée et l'ont comprise, parce que la plupart de ceux qui prétendent que Bultmann est dépassé ne l'ont en fait jamais atteint. Ils l'ont contourné. Donc, c'est facile de dire qu'on dépasse ce qu'on n'a pas atteint. Bultmann il me semble que je peux centrer mon exposé sur une question, qui est la question de la démythologisation, en allemand « Entmythologisierung ». Alors, la démythologisation, je préciserai même, démythologiser n'est pas démythiser. Il faut faire très attention à cela. Donc, c'est même le contraire. Démythisation et démythologisation sont peut-être indispensables l'une et l'autre, mais s'opposent l'une à l'autre. On donne beaucoup de définitions du mythe dans l'histoire des civilisations et des religions, et celle qu'en donne Rudolf Bultmann n'a pas le même statut, n'a pas la même interprétation selon que l'on parle du mythe de la démythisation ou du mythe de la démythologisation. Alors, beaucoup de gens, parce que ça fait bien, disent démythologiser, mais ils pensent démythiser. Or, ce n'est pas la même chose. Quand on dit démythologiser, on ne dit pas la même chose que démythiser. Je voudrais signaler ici que un texte de Bultmann, c'est une conférence de 1941, du 4 juin 1941, qui s'intitulait « Nouveau Testament et mythologie », a été publié en France dans une traduction d'Odette Lafoucrière, qui, à l'époque, voilà, on vous présente sa traduction ici sur l'écran, qui, à l'époque, Odette Lafoucrière avait fait une mauvaise traduction. Elle avait traduit partout où il était question de démythologiser par démythiser. Et comme je vous ai dit que ces deux vérités étaient contraires et s'opposaient, elles peuvent être complémentaires, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être équivalentes, elle a conduit toute la théologie française dans une impasse où l'on comprenait dans sa traduction le contraire de ce que Bultmann voulait dire. Et heureusement, comme on vous le montre à l'écran, il y a eu depuis une très bonne traduction qui est parue là aussi chez Labor et Fides dans un ouvrage assez récent d'ailleurs, qui est suivi d'ailleurs par un texte inédit de Paul Ricoeur qui parle de mythologie et d'herméneutique, donc la science de l'interprétation. Démythologiser n'est pas démythiser. Le mythe de la démythisation, c'est quoi ce mythe? C'est ce qu'on appelle une fable, c'est ce qu'on appelle un conte de fées. Et alors, quand on démythise, on dit qu'il faut retrancher de la Bible ce qui, à travers ces légendes et ces mythes, offusque notre raison. Beaucoup de théologiens ont longtemps lu la Bible de cette manière-là, quand les textes nous paraissaient clairement mythologiques, on démythisait, on essayait de les évacuer. On le faisait par honnêteté intellectuelle et il faut toujours inscrire les textes des mythes de la Bible dans une lecture rigoureuse, plus ou moins radicale, historique et critique. Le mythe de la démythologisation,
désigne quoi? Il désigne notre langage humain concernant Dieu. C'est le langage religieux, le mythe, qui essaye, de manière humaine, terrestre, mondaine, de parler de Dieu. Le mythe de la démythologisation suppose une foi en la transcendance. Il essaye de dire Dieu. Mais, et je pense que ce « mais » vous vient immédiatement à l'esprit aux uns et aux autres, ce mythe ne peut échapper à une contradiction. Comment puis-je en effet, avec des mots humains, dire Dieu? Le seul fait de dire Dieu, c'est déjà le trahir. Seul Dieu parle bien de Dieu, a-t-on pu dire. Et moi, j'aime affirmer, quand je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis. Dieu est hors de ma portée. Par des mots que j'utilise pour dire Dieu, Dieu dépend de moi au lieu que je dépende de lui. Il devient objet et il n'est plus le sujet. C'est moi qui saisis Dieu alors que c'est lui qui me saisit. La Bible est toujours à la fois parole de Dieu et parole humaine, bien sûr, et quand un texte biblique me dit « Dieu a dit », c'est un homme qui me dit « Dieu a dit ». Ainsi, par la mythologie, par le mythologique, je neutralise en quelque sorte Dieu, je le maîtrise, je le domestique, j'en fais ma chose, je le chosifie. Le plus souvent, on dit que on l'objective. Tout ça consiste à rationaliser Dieu, à l'inscrire dans un discours rationnel. Mais voilà. Donc, par le mythe, je retrouve ce que je voulais éviter. Avec le mythe, j'aimerais qu'on entende Dieu, j'aimerais dire Dieu, mais ce Dieu, je l'étouffe. Vous savez, c'est le vers fameux de Racine, « J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer ». On pourrait dire ça du mythe. Alors, qu'est-ce que démythologiser? Je vous ai dit, c'est retrouver l'intention du mythe, une foi en Dieu, mais une foi toute nue. C'est donc un effort d'interprétation et d'herméneutique, démythologiser. Démythologiser, c'est dérationaliser, c'est enlever mon rationalisme qui consiste à objectiver et à chosifier Dieu. Tandis que démythiser, c'est rationaliser Dieu. Donc, par la démythologisation, soyons bien d'accord, je fais le contraire de démythiser. Démythologiser, c'est un acte de foi, c'est dérationaliser. Tandis que démythiser, c'est rationaliser. Il ne s'agit pas donc, avec la démythologisation, de faire un tri rationaliste, de tailler une Bible à ma mesure, de dire ça, ça me convient, ça ne me convient pas, ça choque ma raison, ça ne la choque pas. Tailler une Bible à nos mesures. Non, il s'agit de lire toute la Bible, toute, dans la démythologisation et de l'interpréter sans en rien retrancher. Dans un sens, on fait ça assez naturellement quand on est devant un texte biblique. Naturellement, Bultmann appliquait ça surtout au Nouveau Testament. Je dois, devant un texte biblique, non seulement voir ce que dit le texte, ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que dit exactement le texte? Mais je dois voir ce qu'il veut dire. Quelle est l'intention profonde du texte? Il dit une chose, mais il veut dire peut-être autre chose. C'est ça qui est important. Par exemple, la naissance virginale, on va dire, c'est un mythe. Les rationalistes diront, ça ne tient pas debout, cette histoire. Il faut l'évacuer de la Bible. Mais on sait bien que le texte dit pour me dire quelque chose. Ce n'est pas une question de gynécologie. La naissance virginale. Il veut me dire autre chose. Que veut-il me dire, par exemple? Il veut me dire que Jésus vient de Dieu. C'est une manière de dire cela à l'époque. Donc, il faut retrouver dans un texte humain une parole qui vient de Dieu.
Alors, ce texte que je lis, non seulement je dois voir ce qu'il dit, non seulement je dois voir ce qu'il veut dire, ce qui n'est pas toujours évident, mais je dois voir, et c'est ça l'œuvre de la foi, et c'est ça l'œuvre du prédicateur, et c'est ça l'œuvre du croyant, je dois voir ce que ce texte veut me dire à moi. Le texte biblique m'interpelle, je crois ou je ne crois pas. Il y a devant tous les textes bibliques à se prononcer par rapport à la question de Jésus, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on qu'il est? Alors, le verbe démythologiser ou le substantif démythologisation sont si proches de démythiser et démythisation qu'on les confond, comme je vous l'ai dit, c'est bien malheureux, et qu'il faut entendre quelque chose de plutôt négatif. Démythologiser ou démythiser, on a l'impression que c'est une entreprise négative. Je viens de vous montrer qu'au contraire, la démythologisation est une entreprise éminemment positive. Alors, Bultmann a souvent utilisé, pour dire cela, un autre mot. Il disait qu'il faut faire une lecture existentielle des textes bibliques. Quand vous voyez existentielle, ça ne veut pas dire existentiel. Il ne faut pas dire pour faire bien, on va dire existentielle. Non, ce n'est pas la même chose. La lecture existentielle est une lecture du texte biblique qui ne cherche pas à faire de Dieu ma chose et à l'objectiver. L'interprétation existentielle, donc démythologisante, conduit à une décision existentielle. Ça, c'est autre chose, puisque je vous ai dit que devant un texte biblique, on veut voir ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, mais ce qu'il veut me dire, en quoi il m'interpelle. Donc, l'interprétation existentielle conduit à une décision existentielle. Ricoeur a très bien montré dans sa préface à ce livre de Bultmann qui s'appelle Jésus. Je crois que notre ami Jean-François Brenne a la couverture de ce livre. Vous voyez Jésus, mythologie et démythologisation. Et là encore, préface de Paul Ricoeur. Ce livre est très important. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas lire de trop gros livres de Bultmann, je le recommande chaleureusement. Jésus, voilà. Jésus, mythologie et démythologisation, préface de Paul Ricoeur. Et dans cette préface, Paul Ricoeur montre très bien, je lui emprunte cela, qu'il y a trois principaux niveaux auxquels s'opère la démythologisation. Alors, je ne reprends pas la démonstration de Ricoeur qui est assez savante, très informée, très délicate, très précise. J'emprunte ces trois niveaux, mais avec mon langage à moi. Donc, le premier niveau que pointe Ricoeur et que je pointe ce soir, c'est le niveau scientifique. Mettez scientifique entre guillemets si vous voulez. La conception biblique du monde, la Weltanschauung, comme on dit parfois, n'est plus la nôtre. Et la nôtre, d'ailleurs, dans laquelle nous essayons de dire Dieu pour que Dieu soit un Dieu crédible et non pas prouvé, sera probablement, elle aussi, un jour complètement dépassée. Le progrès scientifique change notre vision et notre manière de dire. On ne va pas dire que Jésus est monté au ciel. Ça, c'est une conception de l'époque où on croyait que Dieu, ses anges, la cour céleste, résidaient au ciel et que les enfers résidaient dans des lieux profonds. Donc, c'est un niveau scientifique, vous voyez. Faites attention, dites « Ah, mais ça, c'est symbolique ». Oui, c'est devenu symbolique quand quelqu'un pointe le doigt au ciel pour indiquer Dieu. Comme le font, je me rappelle, certains coureurs cyclistes, quand ils parlent d'un de leurs disparus, quand ils arrivent, ils dédient leur victoire à leur père qui vient de mourir et ils désignent le ciel. C'est un geste symbolique, bien entendu. Mais à l'époque, c'était bien sûr un geste symbolique, mais qui correspondait à une réalité qui n'avait rien de symbolique. On croyait vraiment, on pensait vraiment, c'était la culture, c'était la science, c'était la Weltanschauung de l'époque, que Dieu était au ciel. Il paraissait normal de dire que Jésus est monté au ciel.
la démythologisation, qui n'est donc pas la démythisation, ne va pas rendre la foi, et ça c'est très important, solidaire d'une conception du monde qui n'est plus la nôtre, solidaire du monde, des expressions, des conceptions, des contextes culturels dans lesquels cette foi et ce langage de l'Évangile sont coulés. Ce modèle n'a en tant que rien, en tant que tel, rien. Rien, je dis bien rien, de spécifiquement chrétien ou de spécifiquement évangélique. On ne porte pas atteinte au message évangélique quand on dit non, Jésus n'est pas monté physiquement au ciel. Vous voyez, cette exigence n'est pas seulement une exigence de l'homme moderne, on va dire l'homme moderne ne peut plus dire les choses ainsi, mais c'est même une exigence de la foi, c'est l'exigence du croyant. Il me faut au cœur de ces textes que je serais tenté d'évacuer en disant « ils n'appartiennent plus à nos manières de dire les choses aujourd'hui », il nous faut faire une démarche de foi en gardant ces textes et voyant quelle est leur intention et quelle est leur manière de dire Dieu. Ça, c'est le niveau scientifique. Ne rendons pas notre foi solidaire des contextes scientifiques, culturels, dans lesquels les textes bibliques sont coulés. Le moule n'est pas l'essentiel. Il va aller à l'essentiel, qui est la foi qui m'interpelle, qui est une manière de dire Dieu. Et en cela, cette exigence est donc non pas l'exigence de l'homme moderne qui veut évacuer ce qui gêne dans ces contextes dépassés, mais c'est une démarche de la foi pour retrouver le cœur de ce texte qui veut me dire Dieu. Le deuxième niveau, c'est le niveau philosophique. Il y a une manière de vouloir démontrer Dieu qui est totalement contraire à la foi. Dieu crédible, ce n'est pas Dieu prouvé. Le Dieu des philosophes n'est pas exactement celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui de la révélation. Un Dieu prouvé ne peut plus être véritablement cru. La ruine de la foi, ce n'est pas le doute. La foi suppose le doute, c'est la preuve. C'est la preuve rationaliste. André Malet, dont je vous parlais tout à l'heure, ce grand spécialiste de Bultmann, a écrit de manière assez magnifique, mais à propos de Bultmann, n'est pas seulement athée un savoir qui nie Dieu, mais beaucoup plus profondément tout savoir qui s'affirme savoir sur Dieu. Quand je prétends savoir sur Dieu, j'ai une démarche athée, je n'ai pas une démarche de foi. Voyez, le niveau scientifique, mais qui nous conduit finalement au cœur de la foi, le niveau spirituel qui lui aussi nous conduit au cœur de la foi, le niveau philosophique qui lui aussi nous conduit au cœur de la foi, puisqu'on dit qu'il ne s'agit pas là de démontrer Dieu, mais de le croire, et puis le niveau spirituel, là encore, qui fait appel à notre foi. Vous voyez, on est vraiment dans le sola fide de Luther, on est vraiment avec un Bultmann luthérien. Alors, ce niveau spirituel, donc le troisième niveau, ce que je connais véritablement de Dieu, là on retrouve une idée de Karl Barth. Frédéric Chavel l'a très bien montré. Hein. Ce que je connais véritablement de Dieu vient de Dieu et non pas de moi. Il ne s'agit pas de parler de Dieu et d'en faire un objet accessible parce que j'ai la bonne piété, parce que j'ai des élans spirituels, parce que je fais des actions bonnes, cultuelles, liturgiques, parce que j'accomplis certaines prières. Non, non. Parler de Dieu et démythologiser me dit que ce que je connais véritable de Dieu ne vient pas de moi. Même si ses œuvres sont les plus
pieuse que ce soit. La lecture existentielle me conduit à ne pas dire « je sais » quand en réalité « je crois ». Vous savez, ça, c'est très souvent une tentation. On essaye de dire « je sais » là où en réalité on croit. Il ne faut pas faire l'économie de la foi. Croire sans plus avoir à croire, c'est la tentation du lecteur de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ensemble. Vous voyez, dans les trois niveaux que j'ai montrés, que j'ai repris ces niveaux de Ricoeur, le niveau scientifique, le niveau philosophique, le niveau spirituel, j'en suis venu à montrer l'importance du sola fide dans la démarche de la démythologisation. Alors, pour conclure cet exposé que j'ai centré surtout sur la démythologisation, j'aimerais parler encore d'une notion dont vous entendrez peut-être parfois parler, qui est la précompréhension. En allemand, Vorverständnis. Qu'est-ce que c'est que la précompréhension dont parle beaucoup Bultmann? J'ai en fait de moi-même et par moi-même, qui que je sois, moi, être humain, une certaine idée de Dieu. L'homme se pose naturellement d'ailleurs la question de Dieu. J'ai par moi-même une certaine idée de Dieu, même l'athée a une certaine idée de Dieu. Et quand on lui parle de Dieu, il sait très bien qu'on lui parle de Dieu. Il sait très bien de quoi on lui parle. Même l'athée, celui qui n'aurait pas la foi en Dieu. Il a donc une pré-compréhension de Dieu. Pourquoi pré-compréhension? Parce que le Dieu de l'Évangile n'est pas le plus souvent celui que je désirerais, celui que je voudrais, celui que je pense. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu inattendu. Quand j'enseignais à la faculté de théologie, je me rappelle que les étudiants disaient toujours, avec Ganibin, la théologie, c'est la théologie de l'inattendu. C'est vrai. On ne va pas chercher Dieu en principe, naturellement, et Bonhoeffer l'a aussi souligné d'ailleurs, dans une écurie, une crèche. On ne va pas chercher un sauveur et un Dieu devant une guillotine, devant une croix. Donc, la pré-compréhension est une idée que j'ai de Dieu, mais que l'Évangile et le sola fide m'obligent à dépasser. Il y a donc, quand je dis Dieu, un rattachement à quelque chose que je porte en moi, je porte naturellement la question de Dieu, mais par rapport à l'Évangile, il y a ce rattachement et une opposition. On ne va pas naturellement trouver Dieu là où l'Évangile nous le dit. L'Évangile, la révélation, la foi. Alors, voyez-vous, cette idée de pré-compréhension est, dans un sens, comme le disait Bultmann, un savoir qui ne sait pas. C'est un savoir, il ne faut pas le condamner. Mais par rapport à l'Évangile, c'est un savoir qui ne sait pas. Ein nicht wissendes Wissen, disait Bultmann. Attention, c'est là où il y a eu un différent, différent END, pas simplement une différence, un différent entre Karl Barth et Bultmann, qui étaient par ailleurs souvent très proches. Attention, beaucoup disaient, mais cette pré-compréhension, en parlant de cela, vous portez atteinte au vrai Dieu. Vous condamnez cela. Non, pas condamner quand nous dialoguons avec des athées ou l'homme de la rue ou la femme de la rue. Il ne faut pas condamner l'idée que l'on a naturellement de Dieu. Il faut dire l'Évangile la dépasse, mais il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la juger. Il ne faut pas dire tous ceux qui ont une certaine idée de Dieu et qui la défendent sont d'épouvantables pécheurs, comme on l'a dit parfois. Donc, la précompréhension est un savoir qui ne sait pas et qui ne porte pas atteinte à Dieu.
puisqu'elle n'est pas atteinte de Dieu. On n'atteint pas Dieu par cette précompréhension. Elle est en fait en attente du vrai Dieu. Disons attente plutôt qu'atteinte. Avoir une précompréhension de l'autre, que vous l'écriviez avec un A minuscule ou un A minuscule, c'est être manque de l'autre. Comment posséderions-nous ce qui précisément nous manque? Donc il n'y a pas là à condamner, à juger, il y a avoir une démarche qui nous oriente de la transcendance vers ce Dieu inattendu. Voilà, je m'arrête là. J'ai observé la demi-heure. Ah oui, alors Laurent, merci. Tu es une ponctualité effrayante, toute suisse, si j'ose. Je vous mets à l'écran, si jamais vous trouvez ça dans une bibliothèque ou une vente de paroisse, précipitez-vous dessus. C'est Laurent Gagnebin, justement, qui avait édité quelques textes fondamentaux de Bultmann, ce petit ouvrage, Rudolf Bultmann, Peut-on parler de Dieu? Et il y a une excellente introduction qu'avait rédigée Laurent, justement. Alors, c'est épuisé. Mais peut-être dans votre bibliothèque, ça peut, ce petit livre peut se trouver. Et puis les ventes de paroisse, parfois des choses comme ça. Enfin voilà. Si vous tombez là-dessus, précipitez-vous. C'est voilà la substantifique moelle de Bultmann. On va essayer de faire. Oui, c'est vrai que ça serait bien de rééditer ces choses. Ça fait partie de ces ouvrages. On avait vu aussi avec quand on a parlé de Bonhoeffer, de ces livres comme Si je n'ai pas l'amour, qui était un recueil de textes sous forme de bréviaire de Bonhoeffer, qui est vraiment qui permet de rentrer dans la pensée de Bonhoeffer de façon beaucoup plus facile qu'avec les grands ouvrages. Et ces livres sont épuisés aujourd'hui. Et c'est dommage. Et c'est vrai que ça mériterait des rééditions. Tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs livres de Bultmann fondamentaux qui n'ont jamais été traduits en français. Il y a une théologie du Nouveau Testament, c'est quand même important. Oui. Un commentaire très fouillé de l'évangile de Jean, oui. Jamais été traduit. Maintenant, il n'y a plus de raison de le traduire. Ce serait trop tard, c'est un peu dépassé au point de vue exégétique, puisque oui. La science exégétique progresse. Il y a les prédications qu'il a données à Marbourg. Je crois que c'est très important pour connaître un théologien de connaître sa prédication. C'est ça qu'il faut lire, en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas les prédications de Bultmann en français. Oui. On a certaines prédications de Barthes. Et finalement, je pense que le prédicateur dit de manière accessible ce qu'il cherche et affirme dans ses ouvrages théologiques. Et je vous dis, vous Merci. Avez parfaitement raison. C'est pour ça que Bultmann disait, il y a cette précompréhension qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut pas condamner, qui nous habite de toute façon, parce qu'on est des êtres humains. On pense Dieu d'une certaine manière, on attend de Dieu quelque chose. Par exemple, très naturellement, quand on veut dire Dieu, on aimerait qu'il soit tout puissant. Or, la crèche et la croix ne sont pas des illustrations d'une puissance, n'est-ce pas? Donc, vous avez parfaitement raison. C'est là où Bultmann disait, il ne faut pas couper les choses, dire la précompréhension, il faut la condamner, il faut la juger, ce qu'aurait tendance à dire Karl Barth, hein, qui était une théologie de la rupture. Non, Bultmann dit, il y a là quelque chose qui est notre contexte, qui est notre manière de dire, de penser Dieu, qui va être transcendé par le message biblique. Alors ça, vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. Et moi, c'est une des choses qui me fatigue parfois un peu chez Karl Barth, cette manière de toujours condamner tout ce qui vient de l'homme pour dire Dieu, mais c'est impossible de faire autrement. Quand on dialogue, j'ai beaucoup dialogué avec des rabbins et des juifs, je fais partie du comité d'honneur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Ils vous disent facilement que les chrétiens sont trop obsédés par la question de Dieu et
et par la question de la foi. Et vous dites l'essentiel, c'est quand même exactement ce que vous venez de dire, la loi, mais la loi bien comprise, une certaine pratique, hein, une certaine manière de vivre. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il me semble que nous devons être ensemble, tous les hommes de bonne volonté, dans un souci d'une certaine pratique qui nous rassemble et qui nous unit. Quand je parle d'un christianisme pratique, d'un christianisme social, je pense que peuvent s'inscrire dans cette dimension et dans cette perspective qui est la mienne. J'ai été président du christianisme social en France, qui est la mienne, avec tous ceux qui luttent pour un monde meilleur et contre les injustices. Et ça, c'est, pour moi, finalement, c'est l'essentiel. Vous avez tout à fait raison. La question de Dieu se posera toujours quand même pour nous. Mais l'essentiel, c'est un évangile qui nous dit par la bouche de Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas notre définition de Dieu. Laurent, c'est en ce sens que tu as écrit quelque part que effectivement le champ de l'existentialisme est celui qui correspond dans lequel s'inscrit le mieux la pensée de Bultmann. Oui, oh là, ce serait encore un autre exposé. Je pense personnellement, je suis existentialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être, que l'essence de l'être humain n'est pas une essence en lui atemporelle et fixe. Je suis ce que je suis par rapport à d'autres. L'être est relation. L'être est relation. Dieu est relation. Quand on dit Dieu est amour, on ne peut pas être amour tout seul. Dire Dieu est amour, c'est dire que son être est une relation. Alors, c'est la première donnée de l'existentialisme, c'est de chercher l'être non pas dans une essence, comme le faisaient la théologie et la philosophie grecque, mais dans une relation. Moi, ça commence à l'autre, on a dit parfois. Vous savez, moi, ça commence à l'autre. Alors, ce que je prétends, c'est que non seulement Bultmann s'inscrit dans cette perspective, et vous l'avez bien senti, l'interpellation, c'est toujours un dialogue, c'est toujours me réaliser à travers quelqu'un d'autre. Mais je prétends que la Bible, que le langage de la Bible, est à 90% existentialiste. Il nous dit Dieu, il nous dit l'être humain dans une perspective relationnelle. D'où l'importance de ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, qui est l'amour du prochain. On ne nous dit pas ce qu'est Dieu. On nous dit ce qu'est Dieu pour moi dans la Bible, ce qu'est Dieu pour nous, donc dans une relation. Et ça me semble une perspective existentialiste. Et j'ai toujours défendu, je me battrai s'il le faut pour ça, que le langage le plus fidèle à la perspective biblique était celui de l'existentialisme. Merci, Laurent. J'espère que je suis assez clair. Oui, enfin, il me semble, oui. Ah, oui. Ça, c'est une option que certains discuteront, mais je la maintiens. Je ne la maintiens pas seulement parce que je suis existentialiste et que j'ai été marqué par l'existentialisme et que j'ai écrit sur Sartre et que j'ai écrit sur Simone de Beauvoir. Non, je suis existentialiste comme théologien et comme philosophe parce que la Bible me conduit à l'être. Une autre question, chers amis. Oui. Il faudrait relire le Jésus de Bultmann, ce que je n'ai pas fait, mais pour Bultmann, naturellement, Jésus est cette manière que Dieu a de nous parler. À cet égard, tu as raison de poser cette question. Bultmann est beaucoup plus orthodoxe qu'on le croit. C'est une réponse tout à fait classique que je fais là. Et beaucoup de protestants libéraux en France se sont réclamés de Bultmann en croyant qu'il était libéral. Oui, dans son entreprise radicale de lecture historico-critique de la Bible, il est à certains égards très libéral. On pourrait dire même trop. J'ai parfois prétendu qu'à force de vouloir creuser les textes dans une exégèse historique et critique, on finit par faire un trou, il ne reste plus rien. Bon.
À cet égard, Bultmann est libéral quand il parle du mythe de la démythisation. Hein. Mais sinon, sa foi est très, très classique, très radicale, très orthodoxe, je dirais. Oui, et encore une fois, très luthérienne, avec un solus Christus, voilà. Voilà, très, 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 très affirmé, oui. Oui. Alors, ce sola fide, on entend bien la foi, ce n'est pas une foi en soi, c'est dans une relation, la foi, mais la foi, c'est d'abord une relation de Dieu avec moi. Hein. Ça me semble assez bultmannien ce que tu dis là, parce qu'en disant par l'esprit, ça veut dire par Dieu. L'esprit, c'est très souvent, pour, je parle là, j'oublie Bultmann, hein, c'est Dieu en nous. Le Père, c'est Dieu. Quand je dis Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois manières de dire le même Dieu. Le Père, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu dans sa création, Dieu. Le Fils, c'est Dieu dans l'histoire. Hein? Et l'Esprit, c'est Dieu en nous. Je ne fais pas une construction savante de la doctrine de la Trinité. J'essaye de dire Père, Fils et Saint-Esprit de la manière la plus simple et accessible possible. On parle toujours de la doctrine de la Trinité, ce qui est absurde, parce qu'il y en a 36 000 de doctrines de la Trinité. Merci. Mais il ne faut pas que par l'esprit, sous prétexte que Dieu est en nous, j'objective Dieu, je chosifie Dieu. L'esprit me dit au contraire que Dieu me dépasse. Dieu est inattendu. Moi, la première prédication que j'ai donnée dans ma vie, c'était un texte de l'Ancien Testament ou du Premier Testament. Vous savez, le songe de Jacob. On se rappelle cette histoire avec les anges qui montent sur une échelle. Et Jacob se réveille et il dit, certainement Dieu est présent dans ce lieu. Donc, inattendu, il ne s'y attendait pas. Et moi, je ne le savais pas. On ne le sait pas. Et j'avais insisté là-dessus, sur ce Dieu inattendu. Il n'est pas toujours là où on pense. Il n'est pas nécessairement dans l'Église. Il est parfois dans la parole d'un athée. Et dans le premier livre de la dogmatique de Barthes, dont nous a parlé si remarquablement Frédéric Chalvel, dans le premier volume, il y a une page saisissante de Karl Barthes qui dit « Dieu peut nous parler par un concert de flûte, par un athée, etc. etc. » Le Dieu est inattendu, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le cloisonner. Et ce Dieu inattendu, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et tu aimais aussi à répéter que le Messie attendu est aussi un Messie inattendu. Ah oui, parce que s'il y a quelqu'un d'attendu dans l'histoire du christianisme et du judaïsme, c'est bien le Messie. Et la difficulté à le reconnaître, c'est qu'il est précisément tout à fait inattendu. Il ne correspond pas au Messie qu'on attendait. La crèche et la croix ne sont pas les signes exemplaires d'un Messie, d'un Sauveur, d'un Seigneur. Vous avez raison de dire, pour moi, c'est votre cas. Oui. Je pense qu'on peut accéder à Dieu sans passer par Jésus. La transcendance, hein, il dépasse nos limites. Oui. On ne peut pas, vous avez raison, on ne peut pas. Cela dit, votre expérience est celle-là, et ça ne peut pas exclure l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors moi, je crois au Dieu de Jésus-Christ. Moi, j'avais envie de revenir un tout petit peu sur la démythologisation. Et parce que en t'écoutant, je me suis en fait demandé comment est-ce que ça s'articule avec la démarche historico-critique. Mais peut-être que c'est deux choses qui sont pas du tout sur le même plan et qui n'ont pas lieu de s'articuler. Mais voilà, dans ma tête, cette question a surgi. Pour moi, Bultmann, ça reste quand même. Pas le père, mais enfin le défenseur de la démarche historico-critique, cette démarche qui consiste justement à aller gratter un peu le texte pour essayer de comprendre comment il a été écrit, par qui, dans quel contexte, pour lui redonner son sens que les auteurs voulaient lui donner. Et donc, d'une certaine façon, bah, on pourrait penser, enfin en tout cas moi, je pourrais penser que c'est une démarche un peu scientifique, et oui. En même temps, dans cette démythologisation, c'est quand même une démarche de foi. Oui. Alors, je me dis, comment, à quel moment
On arrive à passer de l'une à l'autre. Alors, c'est très délicat la question que tu poses. C'est vrai que Bultmann, il y a le mythe de la démythisation, il y a le mythe de la démythologisation. Et il n'exclut, ah, il ne condamne pas les mythes. Comme tu dis, il en fait une lecture historico-critique, il leur place dans des contextes culturels, religieux, scientifiques. Il fait une analyse extrêmement radicale, hein, du texte biblique. Je vais même jusqu'à vous dire, vous l'avez entendu, parfois c'est plus qu'il en reste, hein. Mais c'est vrai que très souvent, quand on lit le Nouveau Testament avec Bultmann, on ne sait plus si Jésus a vraiment dit ce qu'on nous dit qu'il a dit, on ne sait plus si Jésus a vraiment fait ce qu'on nous dit qu'il a fait. La lecture historico-critique est vraiment critique. Elle est indispensable par honnêteté intellectuelle. On est bien d'accord. Il n'y a pas de raison que je n'applique pas à la Bible la lecture que j'appliquerais quand je lis Racine ou quand je lis Zola. J'ai des exigences scientifiques et je dois avoir les mêmes par rapport à la Bible, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Cela dit, la lecture démythologisante consiste à accepter de passer de ce texte humain pour dire j'y entends une parole de Dieu. Et ça, c'est relié, c'est-à-dire le texte biblique est toujours à la fois parole humaine et parole de Dieu. Il ne faut pas exclure tout ce qu'implique la parole humaine. En fait, c'est une façon de réinvestir le mythe. Oui, absolument, c'est une très bonne formule. C'est une façon de lui donner un sens. Oui, Oui. tu as tout à Redonner fait sens. raison. C'est-à-dire, la tentation du mythe, quand tu fais qu'une lecture historico-critique, c'est de démythiser et de dire ça ne tient pas debout, finalement. C'est de l'évacuer. L'évacuer. Alors, je vais prendre un exemple qui va choquer certains. Les fables de La Fontaine, le loup et l'agneau, ça ne tient pas debout. Un loup n'a jamais parlé à l'agneau, pourtant ça a un sens. Ce qu'on fait pour La Fontaine, on peut quand même le faire pour un texte biblique. Ça. En fait, c'est même l'aider à retrouver son sens Oui. par-delà son écorce narrative. Absolument. Il y a un moule et il faut essayer d'atteindre ce que le moule contient. Ce qui est dommage, hein, je trouve, c'est que le terme démythologisation commence par ce dé. Ah oui. Qui laisse penser qu'on va ôter quelque chose. Enfin, et du coup, cette pensée de Bultmann, elle a été quand même assez décriée par toute une frange de la chrétienté. Alors que si le terme avait été un terme positif, ça aurait été peut-être plus simple. Mais tu as entendu parfaitement ce que j'ai essayé de dire au moment où je vous ai dit que le terme de démythiser et démythologiser faisait entendre quelque chose de négatif, une espèce de soustraction, on enlève, on arrache. Ouais. Et Bultmann préférait finalement parler d'une lecture existentielle. Hein. Oui. J'ai dit cela parce que finalement, c'est une manière de dire les choses qui n'est pas négative, qui ne donne pas l'impression d'une négation. Et puis, beaucoup d'adversaires de Bultmann ont dit démythologiser en pensant démythiser. On dit Bultmann, il veut démythiser, il veut démythiser, il veut démythiser. Oui, mais il veut surtout démythologiser, ce n'est pas la même chose. Et comme le premier texte traduit de Bultmann en français par Odette Lafoucrière, comme je vous l'ai dit, avait traduit partout où Bultmann disait démythologiser par démythiser, la théologie française a été lancée sur une piste qui rendait Bultmann irrecevable et incompréhensible. C'est catastrophique cette histoire. Et j'ai pendant des années et des années espéré qu'on allait retraduire ce texte, et ça a été fait tout récemment par ce texte que nous a montré si bien Jean-François tout à l'heure, qui est Nouveau Testament et mythologie. Voilà. Voilà. Enfin, on a eu une bonne traduction de ce texte. Ce qui est dommage, c'est que dans la première version du texte, c'est une conférence, hein, de Bultmann. La conférence de Bultmann était suivie
par les réponses que Bultmann a apportées à ceux qui le contestaient, à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Là, on l'a pas, on n'a pas mis cette partie-là. C'est dommage, oui. C'est un peu dommage. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudrait plutôt parler d'une lecture existentielle